Bonjour à tous, et bien aujourd'hui nous allons faire une salade piémontaise. Alors, à vos tabliers et à vos crayons. Pommes de terre que j'ai fait cuire à l'eau, coupées en petits morceaux et on va les mettre au four. C'est simple, hein. On fait des morceaux pas trop gros parce que voilà, et voilà, on coupe comme ceci. Hein, bon, c'est pas régulier. Voilà, nos deux pommes de terre sont coupées. On va rajouter de l'échalote que j'ai déjà ciselée. Hein, un petit peu. Voilà. Et on va s'apprêter à couper les tomates que j'ai pelées. Et donc, on va les couper là aussi. On va rajouter nos deux œufs que nous allons également couper. En petits bouts, voilà, des œufs cuits durs évidemment, hein. Voilà, on les coupe en deux, à nouveau en deux, et puis ensuite, voilà, on met quelques olives. On a salé, on a poivré, et on va mettre la ciboulette ici, voilà, qu'on coupe avec une paire de ciseaux, voilà. On pèse. C'est la mayonnaise, une mayonnaise qui est faite avec de la crème. Donc voilà, la mayonnaise normale est là. Et maintenant, vu la consistance qu'elle a, on va rajouter de la crème dedans. Voilà, la consistance me plaît. Eh bien, je vais la mélanger à notre piémontaise. Et voilà, c'est terminé. Et voilà les amis, la piémontaise est terminée.